Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma foi incroyable. Car oui, GTA 6 en avant première. On va offrir GTA 6 en avant première à la salle. On va voir sa réaction. Donc aujourd'hui les gars, je vais faire tout simplement un prank à la salle. Alors c'est un prank qui m'a pris pas mal de temps à faire, pas mal d'organisation. Et cette vidéo les gars, elle est sponsorisée par UniConverter Wondershare. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un logiciel qui permet de faire pas mal de choses. Je vous montre ça tout de suite et ensuite on passe au prank de la salle qui m'a pris pas mal d'organisation. Alors du coup, UniConverter, c'est quoi? C'est un logiciel que j'utilise quasiment tous les jours et pour faire vraiment beaucoup de trucs avec, il y a pas mal de fonctionnalités. Le lien pour le télécharger se trouve dans la description, je vais vous présenter et vous allez voir que quand je vais tout vous présenter, vous allez dire, faut que je le télécharge. Alors du coup les gars, avec UniConverter, on peut faire pas mal de choses comme par exemple convertir ses vidéos et ça c'est un truc très important. Fonctionnalité que j'utilise tout le temps les gars, si jamais vous avez envie de convertir votre fichier, des fois vous avez des fichiers qui sont en MP4, vous avez envie qu'ils soient en WMV ou inversement, c'est simple. Là mon fichier est en MP4, j'ai envie qu'ils soient en WMV, et bien je vais tout simplement prendre ici WMV, voilà, identique à la source, automatique, et je vais cliquer sur convertir et en 2 secondes vous allez convertir ma vidéo en quelques secondes. Et voilà les gars, regardez, hop, ça y est, c'est fini, converti, et vous allez voir qu'il n'y a aucune perte de qualité, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà les gars, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de perte de qualité, il n'y a rien du tout, et c'est ça, c'est très important, la perte de qualité c'est très important, avec UniConverter vous n'aurez pas de perte de qualité. Fonctionnalité les gars, on peut convertir ces fichiers à vitesse rapide, donc là regardez, vous cochez ici la conversion à vitesse rapide, vous mettez ici ok, ok, vous cliquez, what the fuck les gars, 5 secondes, même pas, c'est abusé, comment ça convertit vite. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune perte de qualité les gars. Autre fonctionnalité les gars, compresseur de vidéo, donc c'est à dire que si votre fichier fait 1 giga, 1000 giga, 10 gigas et vous avez envie qu'il soit très petit en termes de mémoire, en termes de taille, et bien vous pouvez le faire avec UniConverter. Donc là je vais vous montrer un exemple, j'ai mon petit fichier qui fait 23 et je vais cliquer sur compresser et en quelques secondes vous allez voir que ça se compresse. Regardez la vitesse, regardez la vitesse, 2 secondes, bam, 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 c'est compressé, c'est du direct. Alors j'imagine pas avec des gros fichiers. Vous avez vraiment pas mal de trucs à faire sur ce logiciel. Par exemple les gars, vous avez une photo où vous avez tout simplement envie de garder votre tête, voilà. Moi par exemple, j'utilise beaucoup sur mes vidéos, sur mes miniatures. Vous faites supprimer l'arrière-plan, voilà, hop, ici dans la boîte à outils. Vous sélectionnez votre image, j'ai envie de supprimer l'arrière-plan, voilà. Je fais commencer, réussi, voilà, on a réussi les gars. Et regardez-moi ça, ouvrir. On a enlevé le fond en quelques secondes les gars, regardez. Et la qualité est magnifique, il n'y a rien à dire, c'est un truc de fou. En tout cas, le lien pour télécharger UniConverter se trouve dans la description, n'hésitez pas à le télécharger en masse. Vraiment, je vous ai dit, ce logiciel, il va vous changer la vie, les gars. Merci à eux, ça permet de soutenir la chaîne, téléchargez-le, ça va vous changer la vie, pour vos vidéos, pour vos montages, pour tout ce que vous voulez dans la vraie vie. Bonne vidéo. Ok les gars, on est installé tranquillement sur le petit setup, et avant toute chose, bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut designer tout ça. Donc on va designer tout ça. On va designer le CD, on va designer la jaquette du jeu, tout ça pour faire croire à la salle que c'est vraiment GTA 6 qui me l'a envoyé. Donc c'est parti, on se retrouve sur le PC. Ok les gars, on est actuellement sur mon PC, j'ai préparé la boîte en fait tout simplement qui va être toute personnalisée et le CD que vous pouvez voir juste ici. Donc tout ça, ça va être design. Donc c'est parti, on est sur le PC. Là les gars, on est sur Photoshop, donc j'ai pris le CD Spider-Man. Ok, je me suis un peu inspiré de voir, voir comment c'était un CD PS5 tout simplement. Et du coup, j'ai refait la même chose sur mon PC. Donc regardez, sur Photoshop, donc voilà, moi j'ai design tout, donc je vous ai tout enlevé. Voilà, regardez, il y a les logos, etc. J'ai rajouté les petites polices ici, le petit truc là. Et c'est vraiment, vraiment bien fait, je trouve. Personnellement, je kiffe le CD, je trouve ça pas mal. Et du coup, si j'enlève tout, en gros, voilà ce que ça donne. Ça donne ça, voilà. Avec le CD, ça donne ça. En gros, comment ça va être? Ça va être à peu près comme ça, les gars, le CD. Voilà. Et ensuite, quand on passe à côté, on a la jaquette du jeu, donc, qui est du coup inspirée du CD. Donc regardez, c'est le même fond. Vous voyez le fond comme ça. C'est pareil. Donc j'ai pris un petit fond un peu orangé. J'ai mis le logo GTA 6 en gros. J'ai mis le Grand Theft Auto sur le côté, juste ici, là, comme vous pouvez le voir là. Le petit logo là. Ici, on a le Grand Theft Auto, on a PS5. Et derrière, j'ai tout simplement repris la même jaquette que sur PS4, sauf qu'en fait j'ai modifié les photos. Les gars, ça a été fait par moi, donc si je vous montre avant, voilà, avant c'était les photos là, et moi j'ai vraiment tout fait à ma sauce, voilà, j'ai vraiment tout fait à ma sauce. Voilà, donc ça, ça va être la jaquette, ça, ça va être le CD du jeu. On va tout simplement aller au magasin, aller chercher tout ce qu'on a besoin pour faire le prank, c'est-à-dire un CD. On va également prendre le papier spécial imprimante pour pouvoir le coller sur le CD et pour pouvoir le coller sur la jaquette. Donc voilà, on est parti pour aller chercher le CD et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la fin du prank. Ensuite, on fera tout ça bien, on imprimera, on collera bien et on ira tout simplement, les gars,
ramener le CD à la salle. Et ça va être pas mal. On va voir sa réaction, les gars. En tout cas, pouce bleu si vous kiffez, abonnez-vous. Et si vous voulez d'autres pranks sur la salle, n'hésitez pas à me le dire. Les gars, j'ai pris le boîtier. J'ai pris un petit boîtier. Bon, les gars, j'ai récupéré le boîtier du CD. Là, je vais aller chercher les fameux trucs imprimantes là. Et puis on est bon, je pense. Hein. On est carré dans l'axe. On est dans la voiture, tranquille. Ouais, c'est parti, parce qu'après, on va aller chez la salle là. Et ça va être pas mal. Bon, les gars, c'est parti. On est au magasin. On va aller chercher les fameux autocollants d'imprimantes là. Parce que mon imprimante, normalement, c'est jet d'encre. Donc, normalement, elle est adaptée pour. Donc, je vais aller voir s'il y en a. Bon, les gars, pour l'instant, je trouve rien. Mais je crois que je vais trouver mon bonheur. J'y vais avec le gars. Il va me ramener un truc là. J'attends le gars. Et puis, je vous tiens au courant tout de suite. Donc les gars, il n'y a pas trop de lumière, mais j'ai enfin trouvé mon bonheur. Voilà, c'est les autocollants, je vous montrerai ça dès que je suis à la maison. Donc c'est parti, on va rentrer, faire la fin du prank. Et ensuite on ramènera le CD à la salle et la pochette. Bon, ok les gars, on est rentré à la maison. Donc tranquillement, on a notre petit autocollant comme je vous ai dit. J'ai fait des premiers pré-aperçus. Donc voilà un peu à quoi ça va ressembler. Donc franchement, je suis plutôt content. Après la qualité, elle va pas être non plus en 4K. Donc voilà, en gros, vous mettez votre petit design que vous voulez. Hop, on imprime et on va voir l'aperçu. Déjà, tout d'abord, du premier truc. Le premier truc, c'est quoi? Ça va être le CD qu'on va coller sur ce jeu. Voilà, j'ai pris ça, un CD basique. Hein. On prend n'importe quel CD. Oh, il y a PS5 et tout. Donc c'est comme ça que les CD se fabriquent. Bah, c'est une meilleure imprimante, je pense quand même. Là, on est comme sur une imprimante à 50€. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le séchage est plutôt assez rapide. Donc voilà, c'est mon design, c'est bien le mien. Et ensuite, on va imprimer la jaquette. La jaquette du jeu, le CD. Franchement, est-ce que tu t'achèterais le jeu? Le designer comme ça. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal pour un truc que j'ai fait en 2-3 heures, c'est pas mal. Pas mal, ouais. C'est pas mal du tout, les gars. Bon, maintenant, faut que je le colle. Alors ça va être... on aura le droit à deux chances. Bon, on a encore des feuilles si jamais on se rate. Et surtout, faut pas que je loupe. Donc voilà, j'ai fait un premier design, un premier CD. Donc voilà à quoi il ressemble. Je vais essayer de le perfectionner un peu parce que vous voyez, au niveau des rebords, c'est pas non plus trop ouf. Mais franchement, je trouve que ça a de la gueule. Genre comme ça au premier abord, bah, t'es un peu choqué. T'es un peu choqué. Après, c'est de l'impression directement sur le CD. Directement. C'est pas de l'autocollant. Avec une machine. Voilà, c'est avec des machines spéciales et tout. Donc on essaie de faire au mieux. Pour ce qui est du truc. En tout cas, j'en ai encore 8 à faire, donc je referai mieux en détail. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, on met le CD dedans. Voilà. Et on vient mettre notre jaquette qu'on va découper et qu'on va tout simplement également mettre, hein, j'ai envie de dire. Bon, les gars, je me suis adapté par rapport à Spider-Man et j'ai enfin trouvé la bonne taille. C'était compliqué. J'ai dû prendre un mètre pour mesurer et tout. Mais on est pas mal. On est parti pour mettre la jaquette. Donc voilà les gars, l'aperçu final du jeu. Donc voilà à quoi ça ressemble, PS5, Grand Theft Auto 6. Et quand tu ouvres, bam, t'as le CD directement. Aïe aïe aïe, c'est pas mal du tout les gars. C'est pas mal du tout, avec derrière bien évidemment toutes les instructions, etc. GTA 6 avec les images que j'ai ajoutées et tout. Magnifique, je kiffe. Bon, en tout cas, on va aller ramener ça tranquillement à la salle. N'oubliez pas, les gars, de télécharger Uniconverter si vous voulez convertir vos vidéos, compresser vos vidéos, faire tout ce que vous avez à faire dessus. Réaction à la salle, c'est parti, tout de suite. Bon, ok, les gars, on est actuellement avec la salle. Bonsoir, la salle, comment vas-tu déjà? Hello, how are you? I'm fine, and you? Alors, comme I'm fine dit, too. Ça fait plusieurs jours que je te dis qu'il y a une très très grosse surprise pour toi, une énorme surprise. Donc, déjà, le packaging, t'en penses quoi? Comment il est? Enfin, tu vois pas à quoi ça ressemble, mais déjà la forme, tu veux dire. Déjà, j'ai senti que c'était un jeu de play. C'est pas n'importe quel jeu là, ça. Je sais que c'est un jeu dont tu rêves depuis très longtemps. On en rêve tous. Donc là, ça, je te laisse ouvrir et on va voir ta réaction. Alors, c'est parti. Qui a osé imprimer ça là? Parce que c'est la qualité, la qualité pixelisée des années 50, c'est pas. Non, c'est un 6. C'est un 6 ou c'est un 5 pixelisé? C'est un 6. Ah, même le CD? Ah, t'as pas vu le CD encore? Mais c'est horrible, mais c'est horrible. On sent que c'est un papier qui est collé, puis même ça se voit. Le CD, il est bien fait ou pas? Non, sérieusement, le CD. Non, franchement,
Le Mais le design. papier il se décolle. Mais le papier il se décolle sur le CD. Oui, mais le design, t'en penses quoi, le design? Non mais. Non mais attends, 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 attends. Le papier il se décolle sur le CD là. C'est affreux. Franchement, c'est Je savais que ça affreux. allait pas marcher, putain. J'ai jamais vu un truc. Un jeu ou un truc, je sais même pas comment l'appeler. Un fake aussi dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Non, mais sérieusement, franchement, quand tu regardes le Ouais. CD, le design, là on parle pas de la qualité, parce que j'ai, comme j'ai dit dans la vidéo avant, les gars, la qualité, c'est pas, j'ai pas des imprimantes à 1000 euros, mais t'en penses Non quoi mais du t'as collé. design? Est-ce que le, c'est T'as bien fait? collé. Non, t'as collé un papier sur un jeu, sur un CD Spider-Man déjà. Ouais. Hein? Parce qu'on voit à travers. On voit à travers. C'est écrit Marvel et il y a une araignée dessinée. Non, mais le design, le design. Donc c'est dégueulasse. Mais le pire, tu sais c'est quoi le pire? C'est quoi le pire? Le pire, c'est la qualité du papier et de l'écriture, mais c'est oh, c'est tout flou. Mais sinon, franchement, le design, t'en penses quoi? Genre, est-ce que j'ai bien fait le Horrible. truc? Non. Non? Même le design? Genre, je pense Rockstar, il devrait pas me recruter pour faire la jaquette. T'as tout mal choisi. C'est tout Non, mais flou, regarde les flou. détails, le logo Rockstar, le logo Peggy 18, tout ça. Ça va, ça passe. Ouais, si c'était pas flou. Mais là, le problème, c'est que c'était tout est flou. C'est vrai, c'est Donc, vrai. bah, on voit même pas spécialement ce que t'as mis, puisque c'est flou. Pourquoi c'est flou? Bah c'est que je sais pas, c'est comme ça. C'est horrible. Franchement, je vais quand même le garder en souvenir parce que c'est vrai que c'est. C'est beau quand même. Non, franchement. J'ai essayé de te prank, voilà. J'ai essayé de te prank un jour, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et même. Mais le papier, il sort de la boîte. T'es au courant que le papier, il tombe de la boîte en bas. Il sort. Mais c'est C'est un horrible. échec total. Non, mais je voulais Quelle trop ta horreur. réaction. Je voulais trop. Mais hier, on rigolait hier avec. Parce qu'on le faisait avec les. Parce que tu sais, pendant que tu dormais, on le faisait avec les Ouais. gens, nous, le design et tout. Ouais. Et ils étaient morts de rire. Ils ont dit, mais jamais de la vie, va y croire. Non, Bon, c'est en horrible. tout cas, j'essaie de faire au maximum. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça peut être un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et Mais en tout cas, surtout, merci pour le souvenir. de rien, de rien. Bah, j'espère qu'il va vraiment sortir du coup pour le coup. En tout cas, n'hésitez pas à Hein. télécharger Uniconverter. Le lien se trouve en description. Si vous voulez convertir vos vidéos, compresser vos vidéos, ça se trouve en description. Let's go.